Good morgen, alle Iden. L'étude sera aujourd'hui. Les Elohim Nishmat, Rivka Batsara, Rachel Batsara, Chaim Eliyahu Ben Shalom Louski, Alain Avraham Ben Nissim Kouskas, Shmuel Lasri, et nous étudions Baba Metzia Perek He Mishnah Yudalev. Si vous souhaitez vous y dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Et donc on étudie la dernière Mishnah du Perek de Ezeu Nesher. Ve'elo Ovrin Belotase, Hamalve, Ve'alo, Ve'arem, Ve'aedim. Vachachamim Omrim, Afasofer. Ovrim mishum lotiten, ou mishum baltikach meito, ou mishum lotielo kenoshe, ou mishum lotesimun alav neshech, ou mishum venifneiver lotiten mirchol, veyareta meelo echa ani adonai. Notre Mishnah conclut donc le Perek de Ezeu Nesher, où on a amplement découvert les halachot de ribit de prêt avec intérêt, avec intérêt, qui est formellement interdit par la Torah. Le but de notre Mishnah va être de nous énumérer le nombre d'interdits que l'on transgresse. Lorsqu'on prête de l'argent, on ne transgresse pas qu'un seul interdit. La Mishnah ici nous énumère 5 interdits. Et on va découvrir maintenant que on aurait pu croire que c'est uniquement le créancier qui transgresse un interdit. C'est lui le riche avec la grosse brioche qui se permet de prêter son argent avec intérêt. Mais le pauvre qui vient lui et qui réclame un petit peu d'argent, qui emprunte, il a besoin, il est obligé d'acheter, peu importe ce qu'il peut acheter et ce qu'il a besoin d'acheter, d'accord? Il a besoin d'acheter des meubles. Et alors maintenant, on aurait pu croire que le pauvre, il aurait pas. Lui, il ne transgresse pas l'interdit de ribit, il aurait préféré prêter sans, emprunter sans intérêt, mais personne n'accepte de lui prêter. On va apprendre que même le pauvre transgresse des interdits, et donc la Mishnah va nous dire le nombre de personnes qui transgressent, on va voir qu'il y en a encore d'autres. Et puis ensuite, on va énumérer 5 interdits, et le jeu va être de nous dire, parmi les 5 interdits, qui transgressent. Il y en a qui ont touché le gros lot, qui ont transgressé les 5. Il y en a qui ont touché un lot moyen, ils vont transgresser que 2 interdits. D'autres qui vont transgresser 1, voire 2 interdits. Ça va être ça tout le but de notre Mishnah. Et on commence à la faire directement dans les mots. Velo ovrin belotase. Telles sont les personnes qui transgressent, quoi qu'il arrive, au moins un interdit de la Torah. D'accord? Hamalve, celui qui prête. Ve'alove, celui qui emprunte. Donc le créancier et l'emprunteur. Ve'arev, le garant. Le garant, lui aussi, il a une part active. Ouais, il vient lui aussi manipuler le feu avec ses doigts, son gant, il se brûle lui aussi, il n'y a rien à faire. Il est garant d'une dette avec intérêt, il signe donc qu'il est garant, il se porte garant sur le Reuven qui prête à Shimon, je viens, je signe moi aussi que je vais être le garant de Shimon, je transgresse aussi un, voire deux interdits comme on va les expliciter. Vehe arrive. Ensuite, Vehe Edim, et même les témoins. Regardez le chidouche digne de folie. Je ne prête pas, je ne porte pas garant, mais malgré tout, ils ont besoin de ma signature en bas pour signer. Je vais signer sur le shtar que Reuven doit de l'argent à Shimon, peu importe si le ribit est explicité dans le shtar, ou même si le ribit n'est pas explicité dans le shtar, mais je sais, dans le shtar, dans le contrat, mais je sais que malgré tout, on a convenu qu'ils écrivent un shtar, un contrat sur l'essentiel de la dette, et puis à l'oral, il lui dit, et tu me rapportes aussi tous les mois, tu me payes en plus. Et moi, maintenant, je suis un des détonateurs, que grâce à moi, cette dette va se concrétiser. Je transgresse, moi aussi, un, voire deux interdits, comme on va les expliciter. Va chachamim omrim, afa sofer. Chachamim enseigne, même le sofer, le scribe. Ouais, on écrivait à l'époque des contrats avec une belle écriture, c'était sur du parchemin, c'était un peu, ça pouvait ressembler à un sefer Torah. D'accord? C'était bien écrit, il y avait ici tout un art comment le faire. Et ben même le scribe, puisque sans lui, il n'y aurait pas eu de dette, d'accord? S'il n'avait pas signé de contrat, s'il n'avait pas rédigé un contrat, il n'aurait pas prêté d'argent. Tu ne dois pas te mêler, toi tu dois te retirer et les laisser, ben, qu'ils se débrouillent. Même s'ils te proposent plein d'argent, Chachamim nous dit ce qui transgresse un interdit de ribit. Donc on a au total 5 sortes de personnes qui peuvent transgresser un interdit. Le créancier, l'emprunteur, le garant, les témoins, ils sont 2 au minimum, donc en tout cas les témoins ont un compte commun, et le scribe, c'est clair? Ensuite, la Mishnah maintenant va nous expliciter les 5 interdits. Ve'ovrim mishum lotiten, alors regardez, bon, les lire à travers la Mishnah, on n'aura pas tellement d'intérêt. On a malgré tout une source dans Vaikra, Chafhe, et une source dans Shemot Chavbet, et une autre source dans Vaikra Yutet, c'est encore une autre source. Regardez, j'ai ici, j'ai ma Gemara ouverte, parce qu'en fait, je vais vous apporter après des petites précisions quand même intéressantes. Mais ils sont écrits entièrement dans ma Gemara. Alors, le premier pasouk, les deux premiers pasouk en fait. Ouais. Les deux premiers
Non, le premier pasouk, Lotiten, Ovrin Mishum Lotiten. Le pasouk en fait il nous dit Et Kaspecha, Lotiten lo benesher, uv marbit lotiten ochlecha. Ton argent, tu ne le donneras pas, c'est-à-dire tu ne le prêteras pas avec Nesher, avec intérêt, on avait expliqué, c'est une morsure. Ouais, souvenez-vous, dans la Torah on appelle le ribit morsure. Ce sera nécessaire pour ensuite comprendre l'interdit de l'otachir. Et aussi, il transgresse aussi, et donc, ouvé marbit lotiten ochlecha, t'as pas le droit de donner ton argent non plus avec un intérêt, de prêter ta nourriture avec intérêt, tu lui prêtes une mesure de blé, tu en récupères deux. Ensuite, il y a un autre pasouk, donc ça c'était le premier pasouk. Meshum lotikach meito, de quoi on parle? Altikach meito nesher vetarbit veyareta me'elohecha vecheachicha imach. Il y a marqué le pasouk qui nous dit Altikach meito nesher vetarbit, tu ne prendras pas ni du nesher ni du ribit. D'accord? Donc c'est la même chose, c'est des intérêts. Et tu craindras Hachem. Ensuite, troisième pasouk, maintenant il se trouve dans Vashemot Chavbet. Ou Mishum loti eloke noshe. Regardez le pasouk. Im kesef talvet ami et ani imach, loti eloke noshe, loti simun alav nesher. Lorsque tu prêteras de l'argent à ton prochain, à un pauvre qui est avec toi. D'accord, on ne va pas rallonger sur la dracha de chaque pasouk. On apprend de là à donner de prêter à celui qui est le plus proche de soi. D'accord, Etéani Imar, charité bien ordonnée, commence par soi-même, c'est dans la Torah, c'est explicite. Lotielo ke noshe. Donc tu n'as pas le droit d'être comme un noshe. Lotesimun alav nesher. Et tu n'auras pas le droit de mettre sur lui. Lotesimun alav nesher. Tu n'auras pas le droit de mettre sur lui un nesher. Un intérêt. Alors là, je m'attarde un petit peu pour expliquer le pasouk, parce qu'on va apprendre de là plusieurs choses. Il y a tout d'abord, lotielo ke noshe, ne sois pas comme un noshe, c'est un oppresseur. Il y a une halakha, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ma Gemara ouverte, c'est rapporté ici dans la Gemara à cet endroit-là, que de manière générale, quelqu'un qui prête de l'argent, il n'a pas le droit d'oppresser l'emprunteur ensuite pour qu'il le lui rembourse. La Gemara évoque le cas, un cas très rude d'ailleurs, c'est... Regardez. Minayin le noshe... Non, je sais pas si je suis bien en fait de m'étaler tout de suite. Bon, je vous le dis quand même, c'est pas grave. Mais je reprendrai plus mieux la Mishnah ensuite. Minayin le noshe b'chavero mané ve'yodea she'enlo chassour l'avoir le fanav. T'as le mal de dire le noshe. C'est un lave général sur celui qui emprunte de l'argent. La Mishnah et la Gemara nous dit comme ça. À une personne qui prête de l'argent à quelqu'un. Et cette pauvre personne maintenant, cet emprunteur, il est en faillite totale. Il sait plus où se mettre, il en peut plus. Il est en train de se faire esquinter. D'accord? D'où je sais que je n'ai pas le droit même de passer devant lui avec un petit sourire comme ça de côté, vicieux pour lui le faire un petit peu trembler un peu plus. Concrètement, ça sert à rien. Il est en train de crever dans son oppression. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je viens même sans rien lui dire. Je suis en train de le chatouiller un petit peu, qu'il ne m'oublie pas, ou je ne sais pas pourquoi je fais ça, en fait. C'est une vengeance. D'accord? On transgresse en ça un interdit de lotielo kenoshe. Ne sois pas comme un prêteur oppresseur. D'accord? C'est clair? Et donc, de ce fait, toute personne qui prête son argent avec intérêt, il transgresse cet interdit. Parce qu'en fait, même si, alors il y a un Tosot Yom Tov qui rallonge sur la question de savoir, est-ce que si l'autre, l'emprunteur, il est prêt à payer malgré tout de son plein gré, est-ce qu'il transgresse quand même cet interdit? Sa conclusion, il me semble qu'elle est qu'il y a effectivement malgré tout un interdit. Parce que finalement, il n'est pas de son plein gré, il se fait avoir. Et pour. Je connais pas de. Personne ne connaît de fou qui est capable de vouloir, a priori, partir emprunter de l'argent avec intérêt. Et il le fait parce qu'il est de toute façon bloqué. De son plein gré, il aurait vraiment pas voulu le faire. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Il préfère rester quand même courtois, comme ça, peut-être que demain, il pourra recevoir de l'argent, tout ça. Donc, il y a en cela un interdit de lotielo kenoshe. Dès que le créancier va partir se faire rembourser une dette que. L'emprunteur, en théorie, ne devrait pas payer selon la Torah et qu'il a un pincement dans le cœur au moment où il la paye, on transgresse un interdit de lotielo kenoshe, tu n'auras pas le droit d'être un prêteur oppresseur. Ça, c'était pour la première partie du pasouk. Et la deuxième partie du pasouk, elle était lotesimun alav nesher. La Mishnah rapportait les deux. Ou mishum lotesimun alav nesher. D'accord? Cette fois-ci, regardez la tournure originale. Il n'y a pas marqué tu ne prêteras pas avec intérêt. Il y a marqué tu ne mettras pas sur lui du nesher. De là, on apprend quelque chose de phénoménal. Outre, en plus de l'interdit de prêter avec intérêt, il y a un interdit de faire en sorte que l'emprunteur va avoir sur lui
de l'intérêt à payer. De ce pasouk, on va inclure la halakha pour le harev, le garant, les dîmes, les témoins, et aussi pour le scribe. Vous contribuez à faire que grâce à vous, le pauvre Shimon maintenant va devoir lui payer de l'intérêt. C'est vous les détonateurs. Il y a ici dans cet interdit, sur cette tournure originale, au lieu de dire tu ne prêteras pas avec intérêt, il y a marqué tu ne mettras pas sur lui du ribit. Ça veut dire quoi tu ne mettras pas? Tu ne feras pas en sorte qu'il va être engagé, qu'il va être, donc on pourra lui réclamer du ribit, de l'intérêt. Donc, tout celui qui va contribuer à faire en sorte que Shimon va devoir ensuite rembourser du ribit, il transgresse l'interdit de l'otessimoun à la vnecher. On lui met sur la tête un devoir de payer du ribit. C'est clair? Et aussi, un lave général sur toute la Torah, où Mishum velifne iver lotiten mirchol veretame eloecha ani adonai. C'est fréquent, juste de manière générale, lorsqu'on finit quelque chose, c'est une notion très importante, lorsqu'on finit un sujet de Torah, ou même de manière générale, même sur plein de choses, il y a un shela qui parle de ça, de jamais finir sur quelque chose de mal. En théorie, on devait juste ramener velifne iver lotiten mirchol. Devant l'aveugle, tu ne mettras pas d'embûche. Mais si c'est ça, on aurait fini le pérec, on aurait fini le cours d'aujourd'hui en finissant sur quelque chose de négatif, de pas joli. Ouais, d'accord. Et donc, il faut toujours finir sur quelque chose de positif. C'est pour ça que vous verrez toujours en fin de pasouk, en fin de pérec, en fin de mishnah, où on va rapporter quand même un petit pasouk qui sort de finir sur quelque chose de plus joli. C'est pour ça que la Torah, la mishnah a rajouté cette fois-ci, « Ve'yaretam elohecha ani Hashem » qu'on a par ça une mitzvah de crainte Hashem. Parce que Hachem, il est notre Dieu. D'accord, mais en tout cas, le but de ce dernier interdit, c'est l'ifné vers le titel Mirchol. Devant un aveugle, tu ne mettras pas d'embûche. Cet interdit implique, très général à toute la Torah, dès que je vais aider quelqu'un à transgresser un interdit de la Torah, je transgresse l'interdit de l'ifné vers le titel Mirchol. Il a ses yeux spirituels fermés, il n'est pas en train de voir qu'il transgresse un interdit. Et par ma faute, il va maintenant réussir à transgresser cet interdit. D'accord? Donc c'est moi qui l'aide. Je suis en train de moi, concrètement, de lui mettre une embûche devant lui, que l'embûche, en l'occurrence, c'est le fait de pouvoir préparer le terrain pour qu'il va transgresser un interdit de la Torah, et lui, il vient, il transgresse son interdit. Moi, j'ai mis l'embûche, lui, il est venu, et il est tombé dedans. J'ai transgressé l'interdit de l'Ifnei Ver Lotiten Mirchol. Maintenant, il faut savoir, l'interdit de l'Ifnei Ver Lotiten Mirchol, on ne transgresse, selon la loi stricte, on ne transgresse cet interdit que lorsque le fauteur n'aurait pu trouver personne d'autre pour transgresser l'interdit. C'est-à-dire, si par exemple, il ne peut pas, lui, la Gemara rapporte un cas, c'est pas ici cette fois-ci, dans une autre, mais ça fait un cas où par exemple, il est d'un autre côté du fleuve et il y a un aliment interdit ici, du côté où moi je suis, sur une rive. Lui, il est sur la rive de l'autre côté, moi je suis sur une rive. Et donc, lui, il ne peut pas prendre l'aliment. Il me demande de le lui lancer, comme ça il ne va pas pouvoir le manger. Donc, je transgresse, moi, l'interdit de l'ifné vers le tien, parce que grâce à moi, il va pouvoir maintenant transgresser l'interdit. Par contre, si de toute façon, il peut venir, il peut demander à un goy, ou il peut demander à n'importe quelle autre personne, à une autre personne qui ne va pas transgresser l'interdit de l'ifné vers, d'accord, donc, cette fois-ci, si je lui lance l'aliment, je ne transgresserai plus l'interdit de la Torah de l'Ifnei-Ver, l'Otsit Mirchol. C'est clair? Pour maintenant appliquer tout ça sur notre Mishnah, on transgressera l'interdit de toute personne qui contribuera à cette dette, à concrétiser cet emprunt avec intérêt. Si il est le détonateur par lequel l'emprunt va pouvoir être concrétisé, on va tous transgresser l'interdit de l'Ifnei-Ver, l'Otsit Mirchol. Donc maintenant, on a découvert les 5 interdits. Il y a en réalité un autre interdit qui n'a pas été explicité ici, mais qui est rapporté par la Gemara. Cette fois-ci, c'est-à-dire, je récapitule d'abord, je fais un petit peu d'ordre. On a eu 1, 2, 3, les 3 premiers interdits concernent uniquement le prêteur, le créancier. D'accord? Il n'a pas le droit de donner son argent avec intérêt. Il n'a pas le droit de Baltikar Meitone Shachvet Arbit, tu n'as pas le droit de récupérer ensuite de l'intérêt. Ensuite, l'autre qui n'a pas le droit d'être d'un prêteur oppresseur. D'accord? Ça, c'est spécifique à celui qui prête. Ensuite, on a vu l'interdit de l'autre Simon Alav Nesher. Vous ne mettrez pas sur lui l'interdit de Nesher. Donc là, on a dit, de cet interdit, on inclut aussi le garant,
les témoins et le sofer, le scribe. Ensuite, en plus du malvé, de l'emprunteur, du prêteur, du créancier. Donc pour le moment, on a découvert 4 interdits pour le créancier, 1 interdit pour le garant et les témoins et le scribe, et à part ça aussi un autre interdit de l'ifneiver lotiten mirchol, veretam eloher ani Hashem, et tu ne mettras pas une embûche. Ça aussi c'est général, mais alors là, dans ce cas-là, ce sera à partir du moment où l'emprunteur n'aurait pas pu emprunter avec intérêt, tout celui qui contribuera à l'interdit, qui viendra aider à concrétiser cet emprunt, transgressera l'interdit de l'ifneiver lotiten mirchol. Si vous faites attention, on a un petit problème technique, c'est qu'on a évoqué que des interdits qui concernent l'emprunteur, le prêteur, le créancier. Mais l'emprunteur, pour le moment, on a presque rien invoqué, si ce n'est le fait que l'emprunteur transgressera l'interdit de l'ifneiver lotiten mirchol, puisque lui aussi, par sa faute, le créancier va prêter avec intérêt. Donc lui aussi va transgresser cet interdit. Il y a en réalité un autre interdit qui n'a pas été explicité dans cette Mishnah, mais qui se trouve cette fois-ci dans Devarim. Regardez. Lo tashir le'achicha nesher kesef nesher ochel nesher kol davar asher ishach. Il y a marqué ici, ouais, c'est le seul, si je ne me trompe pas, je crois qu'il n'y en a pas d'autres dans la Torah comme ça. Lo tashir. Vous connaissez un petit peu, il y a une règle de grammaire en Torah. En lâchant la collège, quoi. Il y a la forme factitive, ça s'appelle en français la forme factitive. C'est-à-dire, il y a la forme active, c'est par exemple, je mange, ani ochel, et je fais manger, donc ani ma'achil. D'accord ? Aussi, par rapport à l'interdit de nesher, azani nosher, je mords, mais si quelqu'un m'aide à mordre, alors il est mashir. C'est une forme, ça s'appelle la forme factitive, les hashir. Donc il y a marqué « L'otashir l'achicha » « Tu ne feras pas mordre à ton frère » Là, il y a un interdit explicite pour l'emprunteur de faire en sorte que son créancier va lui prêter avec intérêt. Quel interdit transgresse ? Lui, il transgresse l'emprunteur quand il emprunte Beribit avec intérêt. Il transgresse l'interdit que par sa faute, il y a quelqu'un qui va mordre. D'accord ? « L'otashir l'achicha » Tu ne feras pas mordre, donc tu ne feras pas prendre de l'intérêt à quelqu'un. Et c'est en ça qu'il y a un interdit explicite supplémentaire pour le lover. D'accord, c'est clair. On a fini à présent la Mishnah et on fait le Barthénora qui va être très court. Ovrim Mishum Lotiten. Une fois qu'on a explicité donc les 4 ou 5 personnes concernées par les interdits, selon Rami, il y a un cinquième, puisque même le scribe il est dedans. Alors la Mishnah nous a explicité 5 interdits, et le Barthénora va nous faire les liens entre chacun. Qui transgresse quoi ? Malvé, Over, Bekulan. Le prêteur, le créancier transgresse tous les interdits. L'Ove, Over, Mishum, Baltashir. L'emprunteur, lui, transgresse Mishum, Lotashir, et qui n'est pas ramené dans la Mishnah. C'est le cas que je vous ai ramené cette fois-ci sur le nom de Varim. Chav Gimel, Chav. Si je ne me trompe pas, c'est dans Parchat Kitetsé, si je ne me trompe pas. D'accord ? Ensuite, il transgresse l'interdit de Baltashir. Il nous explique que le partenaire a la règle de grammaire qu'on a dit. Sheul Lashon Maf Il Laherim. C'est la forme factitive qui fait faire aux autres. Il fait mordre les autres. Lotigrom Shachicha Ishor. Ne provoque pas que ton frère va te mordre. Veover Al Ul Achicha Lotashir. Ah voilà, il y avait un autre passage, je savais bien, je ne l'ai pas retrouvé celui-là. Il y a un autre pasuk qui dit aussi Ul achicha lo tashir. Le pasuk, ah voilà, c'était ici. Le nochri tashir, ul achicha lo tashir. Ah, au goy, tu auras le droit de le faire mordre, donc tu as le droit d'emprunter avec intérêt chez un goy, mais tu n'as pas le droit d'emprunter avec intérêt à ton frère. Donc il y a 2 interdits explicités dans la Torah pour l'emprunteur, qui sont rapportés par la Mishnah. C'est aussi dans le même parasha, ouais. Un, c'est pasuk, chav gimel chav, et l'autre, c'est chav gimel chav alef. Ensuite, vover al olachicha lotashir, et aussi transgresse aussi l'interdit de velifneiver lotiten mirchol, et tu ne mettras pas d'embûche devant un aveugle. Arev ve'edim, le garant et les témoins, et le partenaire ne l'inclut pas, mais ça va de soi, c'est aussi le sofer, le scribe, ovrim al lotesimun alav nesher bilvad. Il ne transgresse que l'interdit de lotesimun alav nesher. Tu ne pourras pas mettre sur l'emprunteur, tu ne pourras pas mettre un devoir de rembourser du ribit de l'intérêt. D'accord ? Et bien sûr, alors il précise, ça c'est rapporté cette fois-ci dans Rabbi Akiva Eiger, je crois, qui nous précise qu'il y aura bien sûr un interdit de
aussi un interdit de, je ne sais plus si c'est ici, en tout cas je l'ai vu dans un des Mefarshim, qui aura quand même un interdit aussi de l'Ifneiver Lotiten Mershol. Si toutefois le créancier ne veut pas prêter son argent sans garant, d'accord, s'il n'est pas prêt à prêter sans garant, ou bien sans shtar, sans contrat, et le seul moyen de l'obtenir ce sera par ses témoins ou ce garant, alors il y aura aussi un interdit de l'Ifneiver Lotiten Mershol. Dans ce cas-là, il y aura aussi deux interdits. Un petit mot quand même supplémentaire, je me permets, bien qu'on a fait un cours de 20 minutes, je dois m'arrêter en théorie. Il y a juste, par rapport à l'interdit de... Un interdit qui est explicité ici dans la Mishnah, dans la Gemara. Regardez ici, ça se trouve, à la fin de l'Ezra Mishnah, le dernier daf, un interdit très grave quand même, c'est important de le dire, de prêter son argent de prêter son argent sans mettre de contrat. Je vais vous prêter maintenant 100 shekels. Je dois nécessairement, selon la Torah, sinon je transgresse un interdit de l'Ifnei Iver Lotiten Mershol. Je dois nécessairement prendre de vous un petit papier, vous m'écrivez un petit papier, vous écrivez que vous me devez 100 shekels. Si je ne fais pas ça, je transgresse un interdit de l'Ifnei Iver Lotiten Mershol. Je donne une embûche devant un aveugle. C'est vous l'aveugle, en fait. Parce que vous risquez, on risque d'oublier qu'en réalité, vous allez oublier que je vous ai prêté l'argent, peu importe, ou je vais vous rembourser, pas rembourser. Je vais venir réclamer mon argent, et vous allez me dire, ah non, je te dois rien, je me souviens pas de cette histoire. Vous vous creusez la tête, ça ne vous revient pas du tout. Il s'avère que vous êtes en train de nier, de voler donc de l'argent. Par ma faute, j'ai transgressé l'interdit de l'Ifneiver, l'Otiten Mershol. Je n'avais pas le droit de prêter mon argent sans prendre soit un témoin, soit au moins recevoir un petit papier. Faire un contrat, c'est rien du tout. On prend un petit bout de papier, on déchire une enveloppe, un bout de papier, on écrit « Moi, Harry Dahan, je t'ai emprunté 100 shekels et je signe. » Après, bien évidemment, ne pas oublier de le récupérer ensuite, sinon on n'a rien gagné. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'hatzlacha. Rendez-vous demain, kol tov, c'est là.